T'es quel rang maintenant, Orion, dans Exius? Oups. Tu dois avoir grave augmenté avec tout ce qu'il y a de disponible maintenant, entre les raids, l'histoire, machin. Ah, ça y est, le gosse, il change de... Il change de flèche comme il veut. J'apprendrai que si tu m'enseignes. Tu n'as pas besoin de mes leçons. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, et je voulais seulement la vérité. Où as-tu eu tes lames de feu? Pourquoi les cacher? Ouh. Tu m'as dit que tuer un dieu n'était pas sans conséquence. T'en as tué un avec ses lames? Qui d'autre t'a tué avant Magni? Combien d'autres? Tu m'entends? Je t'entends, et je ne souhaite pas en parler. Ne me pousse pas à bout, Atreus. Bien. Mimir, bonne nouvelle. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai plus rien à apprendre. Ah, félicitations. On peut pousser le gosse. Sérieux? C'est tout? Ouais, bon, par contre, ouais, t'as déjà des niveaux des persos niveau 100 et tout. Ouais. À mon époque, 12-13, j'avais des persos niveau, niveau 60, quoi. Oh, bon sang! Chargez! Ah, le fou! Ah, ça y est, m'écoute. Va là-bas, gamin. Ah non, ah si. T'as Terra Trans aussi? Oh putain. Eh mais t'as plein de 5 étoiles, c'est abusé. À mon époque en fait, donc il y a un peu plus d'un an maintenant dans le jeu, il y avait un truc, c'était horrible, c'était que les 5 étoiles qu'on avait, ça pouvait être genre des 3 étoiles qui sont montées déjà à 5 étoiles. Et ou alors ça pouvait être des 4 étoiles qui sont montées à 5 étoiles. C'était pas des vraies 5 étoiles, c'était pas des... Mes frères, attention, je vois les signes de l'activité récente d'un dragon sur les murs là-haut. On a déjà tué ce dragon. Bien. Et comment ça s'est passé? Et du coup, en fait, moi, mon premier arc-en-ciel, j'étais content. J'ai oh, waouh, c'est un 5 étoiles. En fait, non, c'est un 3 étoiles que j'avais. On va mettre le vent. Donc, et après, plus tard, mais bien plus tard, ils ont changé ça. Donc, à chaque fois que t'as un arc-en-ciel, c'est un vrai 5 étoiles natif. Donc, du coup, il peut aller jusqu'à 6 ou 7.
Mais avant, c'était horrible de récupérer un arc-en-ciel. T'étais jamais vraiment sûr d'en avoir un, en fait. Ça servait strictement à rien de faire ça. Atreus, par ici. Où est-ce qu'on va, là ? Je suis sur la... la route du... du chemin ? Ah, je crois que c'est la route principale. On va retourner, on va aller là. Ah, mais c'est là-haut qu'il faut la mettre, la truc. Le vent. Salut Eric. Hey gamin, va lire. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit... ne pas réveiller. On s'en moque. On a tué des tas de choses dans cette montagne. À qui le tour maintenant? C'est parti. Ok, ça marche. Ouais. Ouais, je l'ai battu la Valkyrie d'hier. Plus deux autres. On a tué trois depuis le début du stream. Ferme ta bouche, Atreus, sérieux. Merci. Alors... je crois qu'il va falloir mettre la... falloir mettre le vent quelque part. Mais je sais pas où. Et après, faut le récupérer quand on est en l'air. Enfin, quand on est en l'air, quand on est en haut. Atreus, t'as une grande gueule en ce moment. Tu veux pas me dire où est le vent ? Ouais, les deux qu'on a fait en plus là de Valkyrie, ça marchait bien. Ça c'était, les combats étaient assez pas simples mais fun déjà, plus fun que celle d'hier. Et ça s'est mieux passé. À moins qu'on saute et que enfin qu'on monte directement. Ça me paraît short. Ça me paraît super short. Je suis sûr qu'il y a un moyen de récupérer le vent d'en bas en fait.
viens de me rappeler, il faut transporter le truc. Oh. Voilà. Dirais quoi pour les 5 étoiles? Non, vas-y, moi je m'en fous. On commence à avoir du stuff intéressant aussi. Hein. Enfin, grâce aux Valkyries qu'on a déjà tuées, c'est vrai que ça aide. Mais on a des enchantements vachement cool maintenant. On commence à avoir des enchantements plutôt sympas. On a trouvé des nouvelles armures aussi. L'armure de Zeus. Voilà. Comme tu veux. Comme tu veux. Regarde-moi ça, le gosse. Il n'y a même plus besoin de mon aide. Allez, par ici. Attends. Le gosse. Il m'aide même pas. Tant comme un bourrin, hein, m'en fous. On a assez de vie. Pas comme si ça allait nous tuer le rayon. Quel game pénible. On va avoir affaire à un boss en haut, je me rappelle plus. Je crois qu'on va combattre Baldur, non? Ou alors encore l'autre là. Je me rappelle plus. Bion.
Je crois que c'est le chemin principal. Bah, je sais pas s'il est mort l'autre. Il l'a fait tomber, mais je me rappelle plus s'il meurt ou pas. Enfin, je crois. Ouais. Comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux. Comment on descend par contre pour ce... Comment on y va? Là, je veux bien savoir par contre. Comme tu veux. Oh la vache! Oh putain, le mec! Le gosse quoi! Prochain, c'est Baldur's Gate. Il était cool ce jeu. Je crois que c'est là, non? Orion, comment on descend? Comment je récupère le coffre? Je vais donc arrêter ce que j'étais en train de faire. Valkyrie plus. Non, non merci. Non merci. Après on récupère. Je n'ai sans doute rien d'utile à offrir. Oh, il est triste maintenant lui. Faut qu'on... Qu'on fasse demi-tour, faut qu'on trouve comment récupérer le coffre. Aha ! Encore un. Ici. Voilà. Saloperie qui voulait pas crever. Je crois que c'est le chemin principal avec les ronces. Trouver le chemin pour le coffre. Faut descendre en fait. Ah non, là il n'y a pas de chemin, je pense pas.
Oula, m'énerve pas, je suis en train de chercher le chemin. Je me rappelle pas avoir vu ce coffre en fait. On va se remettre sur le pont et on va regarder un peu où il y a des chemins. Cela je vois pas trop. Le truc que c'est je l'ai jamais vu en fait. Ce coffre. Il a l'air d'être juste derrière ça. Genre là. On peut monter, descendre, on peut faire quelque chose. Ça, ça me fait chier par contre. Allez, par ici. Je sais pas. On avance. Ça fait chier. J'aime pas rater des coffres. Arrêtez, vous deux. Ce silence commence à être pesant. T'inquiète pas pour ça, on se concentre. Perso, je dirais qu'il faut retourner là, mais... Je vais juste regarder, vite fait, hein. Après, on continue.
pas longtemps. Après, on va voir Baldur, promis. Cela, on y est là. Faut descendre ici. Comment on y va? Que et dans cette direction. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne tournes pas la caméra? Qu'est-ce que tu me fais? Le coffre magique. Le prochain enchantement parfait qu'on devrait se faire, c'est ou tir, ou alors, enfin tir plus, ou vagabond. Tir, c'est quand on se prend des dégâts, donc c'est bof, je pense. Vagabond, ça génère un bouclier qui se recharge automatiquement, je crois, et qui absorbe une attaque. Ça, peut être utile, ça. C'est parti. Courons dans la poudreuse. On doit pas brûler des trucs à gauche. Nous y sommes presque. Enfin. Atreus, la rune. C'est parti. Grave ses motifs. Il l'a fait avec son sang. Jotunheim. On a réussi. Magnifique, n'est-ce pas?
Je me souviens d'un jour où... Mon frère, attention! Oh. Je t'ai manqué. Cours, Atreus, traverse le pont! Je suis un dieu, moi aussi! Je peux t'aider! Lâche-le! Vraiment. Baldur, laisse-les partir. Prends-moi leur place. Je ferai tout ça. Voilà. Pendant tout ce temps, j'ai grand besoin de toi. Mais tu ne sers à rien. Finalement, c'est le garçon, le cerveau. Hein. Espèce de sale petit merde. Pas maintenant, Atreus. Ne reste pas là, Atreus. Oui, vas-y, l'avorton, fuis. Laisse papa faire tout le sale boulot à ta place. Lâche-moi. Calme-toi, tu n'es pas encore prêt. Je suis prêt. Atreus. Et moi qui pensais que ma famille était complètement tarée. Oh oh, ton père a raison, petit. Tu es loin d'être prêt. Dis, tu veux bien tenir ça pour moi, s'il te plaît? Merci. Ah, ça y est, ça va être le bordel. Ça va être épique. Tu ne sais donc pas t'avouer vaincu. Ne me touche pas. Ouf. Merde. Tristesse, bienvenue. Il est rapide, Baldur. Il est agile surtout. Oh. Boum. Verrouillé.
quand le pont s'ouvrira, toute la colère d'Asgard s'abattra sur toi. C'est vraiment. Ah oui, il l'a verrouillé. Soit. Il l'a verrouillé sur Asgard, lui, en fait. Balder ! Écoute-moi ! Laisse-moi t'aider ! Je suis toujours. Tu sais que je ça me fait rire, il arrête pas de taper Kratos. C'est énorme. Et nous revoilà en enfer. Je suis là. Ne bouge pas. Maintenant tu vas m'écouter sans dire un mot. Je suis ton père, et toi, mon garçon, tu n'es pas toi-même. Tu t'emportes trop facilement, tu es imprudent, désobéissant et incontrôlable. Je ne tolérerai pas ça. Tu vas faire honneur à ta mère et revenir sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. Cette discussion n'est pas terminée. Nous sommes là par ta faute, Atreus. Ne l'oublie pas. Yay. De retour à Helheim. C'était le l'unique moment où on était très très proche de voir Asgard. Maintenant que je réalise, après avoir refait le jeu. On aurait pu voir à quoi ressemble Asgard. Comment on va là-bas? Ouah, il fait froid. C'est ça, elle? Ce n'est pas elle. C'est la pire partie de elle où l'on pouvait tomber. Je vois un navire. Emmène-nous là-bas. Ce n'est qu'à mi-chemin du temple de Tyr. Mais ça nous éloignera d'ici. Pendant plus de 1000 vies? Le gardien du pont a empêché les vivants de venir ici. Mais tu lui as arraché le cœur et nous voilà. Grande coïncidence. Tu verras Asgard dans le 3. Possible. Tu dois payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. Atreus. C'était pas moi. Les tourments de Hel. Ils peuvent pas franchir les gouffres. Ça, j'espère qu'ils le corrigeront dans le prochain God of War parce que ça peut. Enfin, c'est bof quoi. Genre, je l'ai tiré dans un gouffre donc c'est considéré comme s'il était tombé. C'était moi.
Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Ne regarde pas, Atreus. C'est ce que j'ai dit à ta mère, juste avant de la prendre. C'était pas moi. J'aurais jamais fait ça. Ne ressasse pas ces pensées. Pas ici. Oui. Nous devons continuer. D'accord. L'enfer. Il n'y a que ce passage-là. Tête, qu'est-ce que c'était ? Elheim n'accueille pas que les anciens et les malades, les criminels aussi. Elle ne doit pas faire la différence entre nous et ceux que ces visions sont censées torturer. Comment arrêter ça ? Quitter elle, aussitôt que possible. Je me laisserai pas perturber. Comme tu l'as dit, Mimir, c'était qu'une illusion. C'était pas moi. Non. Mais c'est celui que tu es devenu dernièrement. Je sais qu'on est là par ma faute, mais je vais arranger ça. Je vais arranger ça. Toi, tu suivras mes ordres. Mais c'est peut-être pas ma nature. Il vaudrait mieux. Laisse-moi me concentrer. Un passage là. Ce qui est chiant, c'est que là, il y a pas mal de... Un passage comme ça. Il y a des coffres un peu à droite, à gauche. J'ai encore un autre coffre à droite. Je sais pas comment y arriver. J'ai un coffre là-bas aussi. Oh, c'est la merde. Où est-ce qu'on va ? Le début est très chiant de elle.
Pourquoi Kratos a perdu ses ailes entre le troisième opus et celui-ci? Y a pas d'histoire en fait. Ils nous ont pas donné d'histoire entre le dernier jeu et celui et le nouveau. Hein. On sait pas. Hein. On sait pas comment il a rencontré sa femme. On sait rien. Je ne voudrais pas te bousculer, mais tu peux faire plus vite. Je dois réfléchir. Là, j'ai loupé un truc en bas, je pense. Ok, je suis perdu. Ça, ça va me gaver. Peut-être remplir les deux pièges avant. Oui, oui, j'avais vu la cinématique quand il prend les ailes. Oh mon dieu, putain, ça va me faire chier ça, je déteste ce passage. Passage, non. Non. Je suis pas contre les puzzles, mais genre les trucs comme ça où c'est que c'est lent. C'est extrêmement casse-couille. Je peux pas descendre. Enfin, je peux descendre là. Je voudrais aller à droite, bordel. Je peux pas. Pourquoi tu veux pas sauter directement là?
casse les couilles. On doit casser un truc, peut-être. Non. Je me rappelle plus du tout. Ah, quel con. C'est, je suis énervé. Je suis énervé. Ah oui, le bloc à la con, avec genre de la glace sur les côtés pour éviter que tu montes, quoi. Y'a que ce côté, on peut monter. Et là, je peux ou pas? Non. Tu es Kratos, tu es toujours énervé, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'il faut reprendre. C'est ça qui est chiant, c'est extrêmement chiant ici. Il faut reprendre le mur. Il faut sauter, non? Ou alors on peut sauter directement de là. Ah, ça va, on peut sauter. Voilà. Ah là, fermez vos gueules. On va aller à l'autre pont. Attends, je crois que je vois Baldur droit devant. Non. Je n'aurais jamais pu le savoir. Écoute. Tu n'avais pas le droit. J'ai tous les droits. Je suis ta mère. Tu n'avais pas le droit, sorcier. Je ne savais rien. Je ne sens rien. Je ne sais même pas la température qui fait ici. Les fils d'un épouse. Tu m'as tout pris. Mais tu n'y comprendras jamais plus la douleur. La mort n'a pas d'emprise sur toi. Tu préférerais mourir? Que de ne plus rien sentir. Oui. Oui. Je préférerais mourir. Oui. Libère-moi, mère. Je ne peux pas. Je t'en prie. Je t'en prie, libère-moi. Ça ne marche pas comme ça. Je t'en prie. Allez, allez, allez.
Je ne veux plus jamais t'en voir. Plus jamais. Baldur a des problèmes de famille. Freya et sa mère. Pourquoi nous l'avoir cachée, tête ? Regarde, si je te disais que ça m'a échappé ? Je n'en crois rien. Oh, je suis confus. Je t'assure que je n'ai aucune raison de garder une telle chose secrète. Voilà le bateau. Nous en reparlerons bientôt. Papa la papa, papa. Je sais pas jusqu'où on va aller. Je sais pas si je stream ce week-end aussi, tu vois. Allez, on va tuer ça et on prend l'autre pont. Nous devons faire vite. Qui c'était ? Qui c'était ? Zeus. Est-ce que Zeus est vraiment mort ? Je sais pas trop comment ça marche pour les Grecs dans... Je me rappelle qu'il y a une pierre derrière. Dans God of War, dans les anciens... Y'a pas une pierre derrière ? T'es sérieux ? Dedans. Ah, c'est pour prendre la pierre dedans. Il est vraiment mort et son corps n'est plus. D'accord. Il a tué Hadès aussi, non? Comment on fait? Je me rappelle plus vraiment des dieux qu'il a tués. Je sais qu'il a aussi tué les géants. Genre Gaïa ou je sais plus quoi. Genre il est retourné dans le temps et tout. Il les a fait venir pour combattre Zeus. Au final, les géants ils voulaient plus de son aide. Les géants sont aussi morts.
qu'une rune à la con. Elle est où, bordel? Oh putain, que ça me rend fou. Je crois que j'ai passé mon quota des énigmes aujourd'hui. Là, ça y est, là j'en peux plus. C'est marrant cette merde. Bon, on est bon, on se casse. Putain. Non, c'est pas mort.